Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rekai et je vous retrouve sur HEI4. Pour arriver, j'ai fait refaire mon stock d'armes. Toujours des pénuries. L'Allemagne a percé ici, perdu Venise, et refait percer, donc on va tenter un truc. Voilà, on va relancer les assauts. On essaie de relancer les assauts. Ah, c'est la mouise, regardez-moi cette poche dégueulasse. On essaie de refaire mes petites poches là. On peut faire craquer l'URSS assez vite. Déjà, si je peux dégager tout ça, ce sera déjà bien. Niveau matos. Et ça, on repère du matériel. Vraiment qu'on produise plus, hein. Faut que ça monte, hein. 7086. 8000. 7900. Je lance des usines pourtant à la chaîne, hein. Je fais que ça. Que des usines militaires à la chaîne, hein. Et pourtant, on perce pas. Digue du fleuve jaune de sa beauté. Pas à percer. Hein. Méga manque d'organisation. La question c'est, est-ce qu'en face ils manquent de matériel ou est-ce qu'ils sont... Bien sûr qu'ils doivent avoir plein de matériel ces connards. Hein. Très jour de pénurie. Bon, la pénurie fait qu'augmenter, évidemment. 618 par jour, putain. 618 par jour qu'on fait des fusils, hein. Pourtant, on va baisser, je baisse le reste, hein. J'ai bourré les usines, hein. T'es loin, hein, les gens, hein. Ils n'arrivent pas à repercer ni à reprendre nos provinces. Allez, toi, prends ça, c'est chez nous, hein. Niveau aviation, on est comment? Putain, pourtant, en plus, on est positif, hein. Ils ont perdu Königsberg, aïe aïe aïe. C'est tellement chiant. Ces grosses provinces là, faut que je les prenne en fait. Je prends tout ça déjà. Niveau de manpower, regardez-moi ce manpower là qui est en loose dé. J'ai obligé de passer en 20% les gens. Vous vous rendez compte du bordel que c'est? De 6 millions. J'essaie de leur dire de pousser ici aussi pour essayer de gratter des terres. Il y a 800 000 habitants, 3,9 millions. Si je peux recruter ne serait-ce que 2% à chaque fois. J'ai 25 000 mecs, hein, plus recrutables. Du coup, on va essayer de recruter ne serait-ce que 2-3%, c'est tout. Là, c'est eux qui se cassent les dents. On progresse un petit peu en épire. Il faudra vraiment qu'on réduise la ligne de front, ne serait-ce qu'à ces petites tâches-là. L'Allemand, il a pris Venise et il tient à nouveau. En 14 000. Change un truc. Une petite pause sur le front ici au sud. Et on va juste essayer de percer que d'un côté. Je finis la guerre du côté soviétique. J'essaie de terminer l'URSS. Et donc là, c'est terminé. On peut se focaliser sur les autres cons. Le problème, c'est que se focaliser sur l'URSS, c'est chaud. On va avoir un truc qui s'appellerait mettre tout en option, tout le monde en camion.
Il devrait y avoir une option, merde, je veux dire, ça devrait être en logistique, il devrait y avoir un truc qui s'appellerait choisir, mettre que les camions. Ça va être logique en plus. Heureusement qu'il n'y a pas de espionnage chez moi, hein. Espionnage critique en Allemagne, par contre, évidemment. Oh, on a repoussé ici. On a réussi à un petit peu avancer. C'est bien. Je vais faire craquer la Russie. Si je fais craquer la Russie en premier, ce serait bien. On va avoir encore plus d'usines, hein, c'est tout. 600 par jour, enfin, ça sera 12. Productivité qui monte tellement peu en plus. Le homme, c'est pareil. Ça, je vide la population de l'Europe, hein, et des Balkans. Sinon, les autres connards, ils pouvaient être en guerre contre l'URSS. Là, toi, la Norvège! Tu pousses ou pas? Pas d'adresse que Norvège. Ah, c'est bon, il peut pousser là les Norvégiens, je veux dire, il passe par la Finlande, il pousse un peu ici. Tellement bienvenu. Tous ces cons qui à chaque fois ben, ne savent jamais où se mettre. Je vais leur dire, vous passez tous vers Leningrad, foncez vers Leningrad. Pareil, là, faudrait qu'on prenne Gorky ou Kazan. Le Roumain, qu'est-ce qu'il m'offre? 3 unités, super. T'as pas plus de munitions à me filer, toi? Moins 17K. Tant pis. 12 unités comme ça, Miklos. Donnez un pré-bas. Vous avez pas un pré-bas de munitions, les mecs? Mais merde, c'est chiant. Ouais, pas une agression que CFDP, mais bon, les connaissant. C'est chiant, c'est que j'ai plein d'usines ici que j'ai perdu. Si je pousse ici, se passe quoi? Hop, hop, hop. Et si j'envoie toute l'aviation? Et nul le pré-bail, FDP. C'est un peu plus coton pour lui. Faut vraiment que je reprenne mon pays, ma Grèce là. Pour pouvoir m'emparer de tout ce que je peux. Oui, Portugal, j'ai l'impression que Portugal Salazar. Il pouvait entrer en guerre avec d'autres pays. États-Unis, c'est. Qui est en guerre avec l'URSS. Tu veux pas, je sais pas, agir contre l'URSS, c'est ce connard? Vous regardez ça, le machin là. Nos divisions qu'il a, le taré, d'usine qu'il a. On voulait qu'on tienne ça sur le long terme. On va se faire péter le fion. Le l'artillerie, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Là, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que ça passe. Hein. On a les effectifs qui fondent comme la neige à Moscou en plein été. Super. Minsk est pris, bon. Si on peut avoir une révolte en Pologne contre l'URSS, ce serait bien ça. Nucléaire, ouais, sauf que j'ai pas les. J'ai même pas les. J'ai même pas de quoi les construire, les machins, les réacteurs. Hein. Je peux essayer de les faire, et bon. Donc c'est. Est-ce que ça vaut le coup? Là, il faut juste que je fasse de l'usine, de l'usine, de l'usine. De l'usine de fusils. Des fusils, des fusils, des fusils.
Pourquoi je suis allégé d'ailleurs? Du fusil. 31 jours. Non, je vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. J'ai perdu encore une division, c'est perdu. La division ici, je vais la supprimer. Ouais, je fais 80% d'effectifs, et bon, au moins ça ramène 20% d'effectifs qui survit. Alors sinon, elle est entièrement anéantie. C'est sûr que les communistes et les démocrates, il faudra qu'après qu'on intègre leur parti assez con. J'espère qu'il y a un peu de résistance quand même qui va se pointer quand même. On va rater les atouts. L'aviation, on va lui dire, hop, tu restes ici au sol. Manque tellement d'avions de toute façon que ça a rien de faire des ass de nos assauts. Faut finir la Russie. Je me pose, c'est pourquoi est-ce que je mets toutes mes divisions ici en fait? On va faire un truc comme ça. On met en place, et puis on va essayer de couper la Russie en deux. J'isolerai cette partie-là de l'Est. Et vu que le cœur est ici, parce qu'il en reste, du cœur de la Russie. Parce qu'on sait que ça avance pas, et si je dis, là, ça avance lentement, là, les Japonais. Il y a 50 000 divisions à l'est, là. Et je coupe pas la ligne de Leningrad, là. Leningrad vers l'est, là. C'est la seule ligne ici qu'il faut couper. C'est la dernière ligne qui alimente tout l'est. Absurde. 30 jours, ouais bah super. On va faire un fer de lance vers Leningrad, c'est tout ce qu'il faut. Par contre, là, ici, je vous demande de continuer à essayer d'avancer. La ligne est ici. Si on arrive à prendre la ligne là, au niveau de. Bah, je sais même plus que ce bled ici c'est. Vologda, si on arrive à prendre Vologda, on coupe la ligne de ravitaillement qui alimente tout l'Est et les renforts japonais. Faut juste qu'on arrive à prendre Vologda. J'essaie de faire une percée comme ça, c'est bourrin, c'est brutal, mais. Je coupe tout ici, le reste est isolé. Faut juste qu'on gagne contre le RSS. Le taux de soutien, c'est bien, mais. J'ai déjà à 15,70%. Hein. Rappelle que c'est le maximum c'est 20%. Hein. J'étais à 15%. Faut vraiment que je reprenne les Balkans. Hein. Si je fais le triomphe pour les Balkans, tout ça c'est Corée. Et je vais pas quand même faire de guerre ici parce que si je fais une guerre ici, on va récupérer tout ça, c'est sûr, mais. Ce serait hyper chaud à prendre. Viande qui part. 19 jours. Et seulement la Finlande n'avait pas craqué.
Voilà, la Norvège, je sais pas ce qu'elle fout. Pareil, ici. Du con, t'as une province qui est vide ici. Tu la prends et hop, tu sauves les mecs qui sont là. Parce qu'il y a 5 régiments là qui vont crever sinon. L'idée, c'est de couper le lac et après, hop, ceci. Je fais une ligne comme ça, je coupe leurs troupes, leur ravitaillement. J'ai bien. Sauver la zone là, faut vraiment détruire ça. Vologda. Faut juste prendre Vologda. Traitement aussi du caoutchouc, c'est bon. Là, on est en 44. La guerre est dure, est dure, est dure. Je vais quand même prendre ça pour avoir plus de caoutchouc dans, enfin, dans les rares provinces où je fais des, où j'ai du merde, des raffineries. Sinon, j'avais pensé à faire de l'anti-aérien plus tôt dans le jeu pour les troupes. C'est tellement vital l'anti-aérien. L'anti-aérien, c'est tellement vital, je vous jure. Au niveau matos, on est encore à 15 jours. Après, j'ai l'impression que je fais bien craquer l'URSS, là que l'URSS est en train d'agoniser. Là, l'Allemand il tient sa ligne de front. Et toi? Le mec est perdu tout seul. Je suis perdu. Je sais pas où je vais. Vologda est tombé. Vous êtes tombé, ça veut dire une chose. Il n'y a plus de ravitaillement ennemi qui passe par là. J'ai pas de connexion, mais lui non plus. C'est-à-dire que de Leningrad, il n'y a plus rien qui passe vers l'est. La route vers Leningrad est coupée. Donc moi, évidemment, je vais construire très vite une route Moscou-Vologda pour alimenter mes gars, évidemment. Merde! Bah là, on peut essayer de faire un petit truc comme ça, non? On peut les faire paniquer. Le but, c'est de les faire paniquer, c'est de faire des petites tentacules dégueulasses, immondes, je sais. C'est moche, mais on s'en fout. J'ai l'impression que tout ici, là, regardez. Oh, ça y est, il manque pas de ravitaillement. Si, ils ont l'attrition, regardez ces glands. Est-ce qu'ils ont l'attrition ici à l'est, les Russes? Ah, je vois également le petit symbole là. Division avec attrition et manque de ravitaillement. À peine qu'il y a. Faire peine qu'il y a. Ouais, que Stalingrad, Moscou et Leningrad qui sont tombés, franchement, l'IA, elle va... la Russie va mourir bientôt. En 4000. En fait, tant que j'interviens que sur un seul front et pas sur deux théâtres d'opération, ça va. L'Allemagne a perdu Venise. Bon, l'Allemagne, tant qu'elle fait chier l'Italien, c'est bon. Le Reich n'a pas progressé d'un poil. Enfin, ici, c'est bloqué. C'est piqué Yaroslav pour les faire chier. C'est d'allemand, hein. Tu veux pas pousser un peu l'allemand? Il agonise, il est quand même dans la merde aussi, mais. Posons critique. Moi aussi. Le théâtre est dégueulasse, de toute façon. Le terrain est ignoble.
Mais attendez, si je gagne un peu mes nœuds logistiques là. Pardon. On va tout passer. Il faudrait que je passe tout en. En bordel, en. En camion. Moscou, c'est passé en camion. Tout là en camion. Faudrait que je tout soit en camion, en fait. Voilà, normalement. Dans son camion, normalement, ça devrait être mieux. Ouais, donc, hein, tout mettre en camion. S'il y a un bouton, je sais pas où il se trouve. Je m'ai fait couper, j'espère. Non, c'est bon. Là, par contre, là. Il y a un petit trou là, c'est quoi? Ou c'est un... Ah non, c'est un lac. L'important, c'est d'avoir réussi à couper l'axe de ravitaillement des Russes. Une fois que l'axe de ravitaillement est coupé, je vois mal comment est-ce qu'il va pouvoir faire pour alimenter l'Est. À moins qu'on construise une nouvelle voie, mais bon. Son cœur logistique, c'est Moscou, hein. Et une fois que Moscou est tombé. La question c'est est-ce que je vais pouvoir survivre jusqu'à ce que je fasse craquer le russe? Parce que le russe peut être très chiant et tomber très lentement. Ça, on construira après. Construire après vite des saloniques, tracétiens et pas chez moi. Qu'est-ce qui manque encore? Tungstène et acier, merde! Enfin, faut qu'on craque, enfin, faut qu'on bouffe le russe là. D'ailleurs, là, pareil, il y a Rostov, on y va. Et s'il n'y a rien? On y va, on. Oh non, on passe ici. On prend là et on prend l'est derrière Rostov pour prendre la ville et son putain d'aéroport pour éviter que l'ennemi ne vienne nous faire chier avec ses avions. Voilà, qu'est-ce qu'on peut le faire? F1 infanterie! 10% infanterie! C'est bien ça! On va compter sur les Allemands pour tenir la région aussi, hein. Comment les Allemands pouvaient bouger plus? Par contre, là. Train perdu, ah oui! Et pour celui-ci, les trains, j'en ai même plus. C'est où la production de train? C'est. J'ai pas de train. J'ai pas de train. Comment il peut récupérer les trains là? On fait le bateau mécanisé là, il n'y a pas la technique plus simple de train là. Si voilà, train civil. Je m'en fous, je veux du train civil, il me faut du train. Niveau armes et comment. Ah, on est positif, ça y est, on est positif en flingue, ça y est. On pousse, il se passe quoi là? Allez, les mecs, ils ont de l'attrition en face. Mais pour ça, retombe en rouge. Chut!
Non! Non! Non, il faut que je fasse craquer l'URSS, j'ai besoin d'une niaque! T'as pas une flotte qui était efficace là, le. Par contre, là, je suis désolé, c'est dégueulasse ça, hein. République soviétique du Mexique. Le Mexique catholique. Mexique catholique, d'accord. Il est allié avec nous, et bon, il est mort, le Mexique catholique. Là, on va essayer de juste tenir un petit peu plus. Et faites-moi tomber ce putain de pays, cette putain de RSS de merde. On prend Novgorod tranquillement là, hein, les gars. Hein. On avance. Il n'y a personne. On prend Novgorod, il est occupé. Faut juste prendre Leningrad maintenant. La priorité c'est plus prendre ça maintenant. La priorité c'est les gars à l'ouest. On voit très vite l'ouest et Leningrad. Train nécessaire, il n'y a plus de train. Division pas affectée? Oh bah tiens, toi regarde. On a besoin de toi au nord. Va en Russie. Alors par contre, vous ici, je vais limiter un petit peu la taille de votre ligne de front. L'idée c'est juste que je veux que vous preniez Leningrad. Leningrad. Restez à Novgorod. Faut que vous vous ravitaillez très vite. Putain, y'a personne ici. Fonce! Fonce du con! Là, c'est les Allemands qui poussent. Il n'y a plus personne ici sur le front. Faut qu'on compte vraiment sur les Schleu, mais bon. De compter sur les Teutons, ça se saurait. C'est chiant à percer ce coin. Là, le terrain est dégueulasse. 60 000 hommes. Le démocrate. Matériel de soutien, il manque du matériel de soutien. Évidemment. Ah, niveau flingue, c'est bon, on est positif en matériel au fusil, hein. Je peux leur dire, les gars, tape un petit coup là. Hop, il rush. Ça va être plutôt positif. L'antiaérien 2. L'antiaérien va être très utile. C'est bon, j'en avais. Je voulais en construire. Je ferai des régiments antiaériens avec les. Enfin, quels antiaériens de soutien que je pourrais.
On va essayer de faire de la troupe en plus. On a du fusil. Faut juste qu'on ramène de la troupe en plus. Faut prendre Leningrad. Seule chose qui me manque, c'est prendre cette putain de ville de merde. Seule chose qu'il nous faut, c'est Leningrad. Stop, pas peine d'attaquer, c'est-à-dire c'est mort, c'est de la montagne. On perce jamais ici. Faut juste qu'on perce en Yougoslavie. Qu'on prenne Sofia. Allemand, il galère aussi. C'est la galère partout, sur tous les fronts en fait. Où je débloque là, c'est tout. Il n'y a que là ici, il n'y a que. Faut juste débloquer le front russe. Une fois ce front sera débloqué, tout ira bien mieux. Hop, on va vous arrêter ici. On va aller faire la troupe. On va avoir des renforts. Je vais servir des renforts au nord. Bon, fusionner les escadrilles. Oui, les escadrilles. Ouais, la tactique, ouais. J'espère, c'est bon, je suis pas plus à ce point-là. Je peux faire comme priorité qui va être intéressante. Stabilité. Pour plus de temps quand le c'est pas intéressant, ouais. On va leur dire de faire plus de troupes. Niveau matériel, on est positif en matériel. On a beaucoup de caoutchouc artificiel, c'est bon. On a plus de 30 unités. Le TOS! Voilà, envoie du soutien, envoie tout ce que tu peux, mon gars. Offensive Hardy. Je comprends pas quoi c'est que ces connards, ils vont même pas prendre Novgorod. Ils vont prendre Novgorod, toi, trou du cul? Vous allez prendre Luga, puis une grade, hop, foncez les gars. Y a rien en plus. Je vais percer les mecs, et hop. Les a récupérés. Il y a 17,3%. Hein. Quand j'aurai récupéré les Balkans, je ferai triompher les Balkans, je vous assurerai que l'unpower ça va monter. Très vite. Le problème c'est que là c'est la viande qui commence à manquer carrément à ce niveau. Vous pensez que j'aurais réussi à ces putains de games ou je vais encore être un gros fail? En tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye tout le monde!